Dans le terminal de l'aéroport, des milliers de touristes dorment à même le sol. La plupart a passé la nuit ici dans des conditions précaires. Tous espèrent pouvoir quitter l'île le plus rapidement possible, mais les nouvelles sont parfois mauvaises. Nous ne disposons d'aucune information concernant votre vol et nous nous en excusons. Les écoles voisines se sont transformées en dortoirs de fortune. Plusieurs gymnases ont été réquisitionnés. Soulager cette famille de touristes français attend de partir. Voilà, les gens, je pense qu'ils cherchent tous un peu des infos pour partir au plus vite aussi. Je pense qu'on est tous pareils. 30 000 personnes ont été évacuées au total. De la nourriture est distribuée aux touristes, chacun garde en mémoire des instants éprouvants. C'était horrible. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Peur de ces incendies incontrôlables aux portes de leur hôtel hier après-midi. Torse nu, valise à la main, certains vacanciers étaient encore en maillot de bain. Derrière, il y a une énorme fumée. Les sirènes retentissent, ils doivent alors se rassembler à l'entrée de leur hôtel et attendre des bus. Problème, les routes sont saturées, parfois fermées à la circulation. L'objectif, c'était de sauver la famille et de partir le plus loin. Mais en fait, le problème, c'est que le feu nous suivait. Partir coûte que coûte, y compris par la mer, dans des navettes affrétées par la sécurité civile. Une évacuation massive qui va durer une partie de la nuit, à quelques mètres des flammes. Pour Sébastien Mazot, l'air était irrespirable. Avec les fumées qui s'intensifiaient, avec les cendres qui nous arrivaient dessus, donc on se protégeait comme on pouvait avec des linges humides. Des incendies incontrôlables. Dans la ville de Lindos, des quartiers entiers sont touchés par les flammes. Les maisons brûlent devant des habitants qui se sentent eux aussi impuissants. Ma maison, nous sommes tous ensemble. Notre cœur est ici, s'il vous plaît, sauvez-nous. Touristes comme habitants se sont réfugiés dans des abris de fortune, comme cette expatriée française. C'est une tragédie. La moitié de l'île est brûlée. On aurait aimé avoir plus de pompiers, peut-être plus de véhicules, plus de canadaires. Ce soir, plusieurs centaines de touristes français ont pu rentrer sur le territoire. Certains ont perdu leurs bagages, mais ils sont sains et saufs. Ça va un peu mieux. Mais hier soir, franchement, c'était invivable. Ouais. J'avais peur pour ma famille, pour moi, pour tout le monde. L'évacuation de tous les touristes de Rhodes devrait encore durer plusieurs jours. Et parmi les personnes évacuées, de nombreux touristes, on l'a vu, parmi lesquels des Français. Nous avons pu suivre le parcours d'une famille qui a dû quitter son lieu de vacances en catastrophe et dans des conditions périlleuses. Depuis, elle attend désespérément de pouvoir rentrer chez elle. Kélian Youssefi et Léa Géry. Un énorme nuage de fumée. Voici ce que ces touristes français ont d'abord vu depuis leur hôtel hier. Et à 14h, sur leur téléphone, ce message d'alerte des autorités grecques. On a vu que le personnel commençait un petit peu à paniquer à la réception. Et là, on s'est dit que quelque chose était en train de se passer. Et derrière, les sirènes ont été lancées et ils nous ont tous demandé d'évacuer. Pour la famille de Natalia, c'est le début d'un parcours du combattant. Putain, je crois que j'ai jamais autant couru aussi vite de toute ma vie dans le sable. 7 km de marche sous plus de 40 degrés pour rejoindre un bus. Cet homme en a même brisé les roulettes de sa valise. Ce que je perds le plus, ça a été les personnes âgées et les mamans, enfin les enfants en bas âge qui étaient rouge vif à cause de la chaleur. Ça a été l'angoisse, le premier sentiment qui a été ressenti. Et puis derrière, y a eu la montée d'adrénaline. Il fallait évacuer, il fallait sauver sa peau. Là, vous avez ma nièce et ma fille, ma plus âgée. Avec sa famille, Natalia a dormi à l'aéroport de Rhodes la nuit dernière. Là, on est au sol. Voilà, on a récupéré des sacs poubelles, en fait. C'était sur un chariot avec les serviettes qu'on a récupérées des hôtels. Pour eux, pas de vol avant demain soir. Depuis hier, ils se sentent abandonnés. On a été oubliés du tour opérateur, on a été oubliés des personnels de l'aéroport. En fait, on n'existe plus. En attendant qu'une place se libère dans un autre avion, la famille devra passer une nouvelle nuit à l'aéroport.